Ouais, Seigneur. On a été coupé. Ah, ça m'a permis de manger, de finir mon bout de pain. Vous avez vu, hein, je mange très peu. Vous avez vu? J'ai déjà fini là. Je mange très très peu. Vous voyez, j'ai mangé un bout de pain et demi. Je mange très peu. Gaël, j'ai fini. On a été coupé tout à l'heure. J'étais en train de vous dire que... Elle a fini, j'ai fini. Et tu me donnes un verre d'amer. Mais un demi, hein? Pas beaucoup, pas beaucoup, je bois pas beaucoup. Donc j'ai fini. Coucou, 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 coucou. Oh là là. Bonjour, bonjour à mes gens. Bonjour à mes gens. Bonne matinée. Regardez, c'est encore gris. Ça, le gris est revenu. Je vous ai dit que ici, là, vraiment, on fête le soleil comme si j'étais comme en Europe. Quand il y a du soleil, on est content. Ici, c'est incroyable. Mais si tu es à Mokolo, le soleil qu'il y a là-bas, c'est la mort. Bon, madame, j'ai vu, il faut, même si chez vous, vous n'avez pas, même en Europe, quand j'étais en appartement, d'abord, parce qu'on a d'abord été en appartement une année et demie à Besançon, j'avais mis ça, on avait une très grande terrasse où toutes les portes sortaient sur la terrasse. Pour ceux qui connaissent Besançon, et j'habitais l'allée de l'île aux Moineaux. On était les premiers à habiter ces appartements-là. En face du doux, je me levais, les chambres donnaient sur le doux, hein. Je voyais de l'eau, c'est ça. Donc, j'avais mis toujours, j'aime bien mettre ce tapis, j'aime bien le verre, même quand vous êtes en appartement et que vous avez un balcon. Parce que j'ai remarqué que les Camerounais n'utilisent pas, vous voyez les balcons des Camerounais en Europe. Vous voyez que c'est un magasin. Ils empaquettent tout sur la véranda, sur le balcon. Ils n'exploitent pas le balcon. Et pourtant, le balcon, c'est une partie de la maison très très bien, hein, qu'il faut rendre habitable. Vous achetez ça chez le roi Merlin. Vous achetez ça chez le roi Merlin. Et puis vous habillez votre balcon et puis vous asseyez là. Même si c'est un petit balcon qui peut prendre que deux chaises. Ça reflète une belle chose à l'intérieur de votre salon. Oui. Ils n'utilisent pas les balcons et les terrasses. J'espère que tu as mis assez. Il n'y a pas beaucoup. Ajoute, tu croyais que tu allais prendre le long verre. Ils n'utilisent pas. Vous allez voir les sacos. En hiver alors, hein, c'est là où ils conservent toute la nourriture. Les Africains ne savent pas utiliser les balcons. Ils n'utilisent pas les balcons. C'est dommage. Ils n'utilisent pas. Donc, alors... Quand moi je suis à ma terrasse comme ça, vous voyez, même Zoa, même quand tu as construit, Fakocher, Fakocher, même quand tu as construit, là où tu t'assois souvent, au balcon de chez toi en haut, tu devrais rendre ça habitable. J'ai vu là où tu t'assois, mais vraiment, tu es sale. Tu es sale et tu oses venir souvent prononcer mon nom au lieu de venir apprendre chez moi. Hein? Parce que j'ai dit que si tu continues à m'attaquer, Zoa, tu continues à me lancer les piques. Moi, je ne connais pas lancer les piques. Parce que je suis une femme très courageuse. J'ai un cœur très sensible. Bonjour. J'ai envoyé les emails. Ah. Merci. La veille est finie. Vous lui avez donné aussi. Non, pas encore. Il faut lui faire le sandwich, non. Okay. Donc, du coup, quand tu vois Zoa, hein, Fadil Jamal, c'est qui a écrit sur le mur de Lydia. Ah bon, Fadil Jamal, c'est qui, elle a dit quoi? Hein, elle a dit quoi? Fadil Jamal, elle a dit quoi? Je ne sais pas. Dis-moi ce qu'elle a écrit. Comment je vais passer le mur de Lydia? Est-ce que moi, je perds le temps d'aller sur les murs des gens qui n'existent pas? Une personne. Est-ce que. Et je sais pas ce que.
Ah, Fadi Jama, c'est le sobriquet de ma cousine. C'est ma cousine. Je sais pas, c'est que en gros, j'étais en train de dire que Zoua, il ne suffit pas d'avoir une maison. La maison, quatre murs comme ça, c'est rien du tout. Quatre murs comme tu as construit là, c'est rien. Tout le monde peut faire ça. Mais vraiment, le reste là. Fadi Jama, c'est ma cousine. Fadi Jama, c'est celle qui peut vous parler de moi. On a été éloignés juste parce qu'elle est du côté de Kamtou et je suis du côté de Paul Biya. C'est-à-dire, c'est pas ma cousine, c'est une fille, elle est Bamoun comme moi. Et on a vécu, on est arrivé en Suisse, c'est elle qui peut vous parler de moi. C'est elle qui peut vous parler de Monsieur Chapuis. Et je vais même, quand j'arrive en Suisse, je vais poster nos photos avec elle. C'est seulement les choix politiques qui nous ont éloignés. Mais elle-même sait que je l'adore. C'est elle-même sait que je l'adore. C'est mon. Mais comment? Fadi Jamal que vous voyez là, mes gens, c'est elle qui m'a appris donc à m'habiller. Abonnez-vous sur sa page. C'est elle qui m'a appris à m'habiller. C'est elle qui m'a appris à être stylée. Les dos nus là. Je mettais les. C'est elle qui m'a appris à être stylée. C'est elle, je l'aurais écoutée, je l'aurais suivie, je n'allais jamais faire une jansan. Je n'allais jamais faire une jansan, mes gens. Fadi Jamal que vous voyez là. C'est mon. Elle est même. Elle est égale à mon sang. Oui. Elle est égale à mon sang. C'est elle qui me connaît. C'est sûr qu'elle s'énerve quand elle voit les sales femmes comme la chose de Lydia là parler de moi et tout et tout. Voilà donc celle que je veux mettre sur pied pour tabasser Lydia. Parce que Lydia, moi, elle ne peut pas te toucher. Je veux mettre ses mains Fadi. Elle va t'arracher tes sales dents que tu n'arrives pas à détarter. Tu es en Suisse, tu ne peux pas détarter tes dents. Hein? Tu en suis, regarde comment ta bouche, on a filmé, on a agrandi ta bouche. Regarde comment ta bouche est vraiment de Dieu. Tu ne ressembles à rien. Moi, je viens de prendre mon petit déjeuner, je viens de vous faire ma matinée et tout, je suis sur ma terrasse sans jansan, sans jansan, sans jansan, mes gens, et sans filtre. Sans filtre, sans jansan, sans filtre. Voilà mes mains. Donc, vous faites quoi sur mon mur? Les femmes qui sont sur mon mur apprennent de belles choses. Comment tu peux aménager une terrasse? Mais Jean, ce n'est pas question d'argent. C'est question aussi d'aimer qui tu es. Parce que vous voyez, quand je m'assois comme ça, vous croyez que qu'est-ce qui peut me motiver à aller me balader chez une amie? Qu'est-ce qui peut me motiver? Rien du tout. Je vais être motivée à aller me balader chez une amie, qu'il y a quoi là-bas? Je vais arriver, je vais trouver sa terrasse bizarre, bizarre. Peut-être une amie qui ne veut même pas m'imiter. Chez elle, c'est bizarre, 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 bizarre. La maison sent du renfermé. Tu n'as pas tellement envie de lui dire, écoute, il y a les parfums de meubles, il y a les parfums de rideaux. Pour que ta maison soit toujours aérée, tu arrives, ça sent du renfermé parce que on prépare la cuisine là-bas, les odeurs qui se sont enfermées, après ça se transforme, les gens qui dorment, qui se réveillent, il y a les odeurs de chambre. Je ne vais pas aller chez elle. Jamal ne peut que m'aimer, c'est ma sœur. Et qui est, c'est ma sœur. Oui. C'est ma sistou là-bas. Ma sistou, c'est elle donc. Le jour que je rencontre Monsieur Chapuis, Jamal est là. Jamal que vous voyez là, elle a les verres. Ouais, je vais demander à mon mari. Je vais demander à mon mari aujourd'hui s'il est en Suisse. S'il est en Suisse, je vais. Non, il est à Besançon. C'est vendredi. Je vais lui demander en semaine de chercher, d'aller dans le lot des photos de Lausanne. Il cherche la photo, sa photo avec Jamal. J'ai vu ça dernièrement. Là où il fait santé avec Jamal. Je vais poster. Je vais poster la photo là sur mon mur. Dites à Lydia que je vais la faire. Comme elle parlait de tabasser, Jamal va. Parce que Jamal que vous voyez là, peut-être comme les années passent. Si elle te touche, elle t'enlève tes dents.
Elle t'enlève tes dents, hein. Elle ne s'amuse pas. Elle ne s'amuse pas parce que c'est elle, elle ne blague pas. Voilà. C'est que je ne vais pas chuter sur le mur de Lydia, donc je ne peux même pas savoir. Comme elle connaît bien le monde en Suisse, c'est elle qui va donc. Je n'ai même pas besoin de connaître la vie de Lydia. Vous savez, hein, je ne suis pas le genre de femme qui va commencer à aller fouiller qu'elle fait quoi dans sa vie et tout. Quand tu vois derrière une sale femme comme ça, tu vois derrière le visage, tu sens que la lotion ne touche pas le visage aussi. Pardon, Tata Guille, laisse comme ça. Non, mais il paraît que c'est elle qui me... Attendez. J'ai eu un appel là. J'ai eu un appel. Vous voyez que moi, je reste tranquille. Charnel, j'ai les photos de la. Je ne sais pas ce qu'elle a fait dans sa famille. Hein. Je sens que cette fille doit être aigrie. Aigrie parce que là, les photos qu'on m'a envoyées de sa famille, de la maison de son père, de la maison de sa mère, de leur maison, et du corps de sa mère, du corps de sa soeur. Les photos qu'on m'a envoyées sont horribles. Hein. Les photos sont horribles. Hein. On m'a même donné les photos de sa tante qui est à... Ou bien elle est dans quel quartier là. Qui soit elle braise le poisson et elle aussi prostituée. Et que ce soit là où vit sa soeur qui a six et combien d'enfants, tout ça. Toutes sont des prostituées. Personne n'est marié dans sa famille. J'ai toujours des appels. Donc, dites-lui de me laisser tranquille. Parce qu'elle va encore prononcer mon nom, ça tourne dans ma tête. Moi, j'ai le caractère étonnant. Je verse ses mains sur la toile. Charnel, va lui dire que, comme elle est venue essayer là, elle a vu qu'elle reste tranquille. Parce que même si elle fait alliance avec Zouazoua, pour moi, c'est l'arachide grillée. Regardez l'arachide du dolet noir qu'elle préparait. Pour moi, soit je la broie. Parce qu'elle veut d'abord publier le WC où son père chie. Je vais publier l'eau que son père vend. Avec la vidéo où son père vend l'eau, il ne rembourse pas la monnaie. Je vais publier le canapé de son père et les rideaux de la maison de son père à Ebolova. Moi, je ne blague pas. Moi, je ne les attaque pas, mes gens. Avant de venir parler à Madame Chapuis, moi, je n'ai plus de parents. Faites attention. Jamal, calme-toi. Dites à Jama de ne pas calmer la fille là. Oh, dites-lui de ne pas la calmer, que je vais écraser Lydia sur Facebook. Et qu'elle aille me porter plainte au Cameroun. Dites à Jama. Oh là là, je vais l'appeler. Je vais appeler Jamal. Qu'est-ce qu'elle calme là, dis donc? Elle calme quoi? Hein? Elle calme quoi? Elle calme quelqu'un qui m'a attaqué. Au lieu d'entrer dans la danse pour fracasser la personne, elle n'est pas calmée. Ouais, Jamal m'énerve. Je vais écraser Lydia. Je vais envoyer Lydia au centre psychiatrique. Parce que si elle continue, moi, elle va mettre. Je m'en fous, hein. Vous ne me connaissez pas. Moi, je suis quelqu'un. Je ne cherche pas de problème. Je ne cherche pas les problèmes. Et si je dois faire quelque chose, je n'attaque même pas. Parfois, je suis dans mes délires. Les gens croient que je parle d'eux. Je suis dans mes délits, mais je vois les gens comme compresseur. Compresseur est venu me chercher alors que je m'adressais. Je ne l'ai jamais attaqué. J'ai tout simplement accordé mon soutien à mes sangs. J'ai accordé mon soutien à Flore de Lille. Et je vous ai expliqué pourquoi j'ai accordé mon soutien à Flore de Lille. Parce que j'avais attrapé beaucoup de choses qui prouvaient que compresseur n'était pas honnête avec Flore de Lille. Et pourtant, Flore de Lille, elle croyait à cette amitié. Alors là, j'ai fait mon histoire et je suis restée tranquille. Je vais seulement... Elisabeth, tu crois que
Répondre veut dire me mélanger. Maman, quand je coupe. Attendez une seconde. Donc, là où vous voyez là, vous croyez que vous n'avez jamais vu que quelqu'un qu'on cherche à salir. Dans la vie, chercher à être propre. Dans la vie, chercher à être propre. Quand vous êtes propre, hein, entrez même dans la boue, vous n'allez jamais vous salir. Vous comprenez? Vous n'allez jamais vous salir. L'essentiel, c'est d'abord chercher à être propre. Vous croyez que si ces femmes, je n'avais pas une vie saine, le genre que ces femmes-là, surtout Zoa, parce que Zoa, elle a un démon dans le ventre. Elle a un démon dans le ventre, c'est de faire du mal à toute femme qui la complexe. Zoa aurait déjà trouvé. Hein? Zoa a eu à publier la photo d'une connaissance à moi et la personne est allée lui faire une citation directe. Zoa s'est mise à genoux, elle a pleuré comme ça, elle a proposé l'argent. Un homme politique. Elle ne pourra plus jamais le faire. Un homme politique, elle a publié. Je dis que Zoa s'est mise à genoux, elle a proposé l'argent pour qu'on arrête la procédure. Zoa connaît. Elle ne peut pas là où elle est là, qu'elle essaye. On capture ses mains, on m'envoie. Je vous jure, je vais. Là, il n'y aura plus de pardon. Vous croyez que si cette femme-là, elle avait des années, même un voutou, celle qu'on appelle un voutou, ma chère là, la pygmée là, chercher dans la vie à être propre. Moi, ça fait 20 ans que je sais que je serai une grande dame politique de ce pays. Ça fait 20 ans. Donc, ça fait 20 ans que je me prépare. Donc, que ce soit la boue, que ce soit la non-boue, je n'en ai rien à foutre. Puisque je n'aurais pas besoin de Facebook sur le terrain. C'est ça que vous deviez comprendre. Je n'aurais pas besoin de Facebook sur le terrain. J'ai besoin du terrain. Je n'ai pas besoin de Facebook. Ça fait 20 ans. Et pas la politique, n'importe où. Dans l'arrondissement où vit le président de la République. C'est là où moi je fais la politique. Et c'est là où j'habite. Et c'est là où je serai domicilié. Donc domicile légal. C'est-à-dire clé en main. C'est tout. Ça dépend du rêve de tout un chacun. Alors, Lydie veut entrer dans mon palmarès. Si c'est Lydia, si c'est qui. Elle n'entrera pas. Elle n'entrera pas. Moi, elle veut seulement publier sa famille et l'école. Mais je ne vais jamais la taguer. Parce que je ne veux pas la fabriquer. Même si tu la fabriques, j'ai vu qu'elle m'a publié. Elle a publié ma photo avec une décharge. Hein. Une décharge, ce n'est pas une reconnaissance de dette. Une décharge, c'est-à-dire que tu es témoin. Tu es garant. Lydie, si tu n'as pas de crédibilité, quelqu'un ne peut pas déposer son argent et tu te portes garant auprès de la personne qui lui rend un service. C'est parce que cette personne sait que si ça rame, tu rembourses. Tu as compris? Tu publies, tu mets la... Et faites attention. Lydie, il y a une femme aux États-Unis à qui tu dois 16 millions. Que tu racontes. Apparemment, tu racontes souvent sur ton mur que tu as les gens qui construisent la maison, mes gens. La Lydia là, elle a envoyé 8 millions deux fois. Les gars ont fui avec son argent. La fille est aux États-Unis. Et c'est elle qui est garante. Mais Jean, c'est elle qui a présenté ces gars à cette dame aux États-Unis. Donc quand la dame arrive au Cameroun, j'ai dit à la dame que faites tout pour venir au Cameroun quand je suis là. On va monter, Lydia va rembourser. Maintenant qu'elle appelle Lydia, Lydia bloque le téléphone. Hein. Mais Jean, 16 millions, elle bloque le téléphone. Et toi, tu viens parler de Madame Chapuis. Sache donc qu'elle serait derrière la plainte. Tu sais comment ça se passe. Là, tu n'auras plus jamais le courage de mettre pied au Cameroun. Tu n'auras plus le courage. Lydia, ça sera ta fin. Tu vas venir au Cameroun seulement quand tu pourras remettre les 16 millions. C'est tout. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Je t'insulte. Je te réponds. Tu es au Cameroun. Va me porter plainte. Comme tu dis que Matela du RDPC. Tu ne sais pas que pour être dans le RDPC, il faut financer. Voilà donc des villageoises, des sales villageoises qui n'ont rien dans la tête. Elles croient dans leur tête que quand tu milites dans un parti, on te donne de l'argent. Lydia, le RDPC, c'est une société. Si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas actionnaire. Si tu ne cotises pas, tu ne vaux rien. Mets ça dans ta tête. Même la campagne qui va commencer pour 2025, là.
il y a des cotisations qui vont se faire. On ne donne pas l'argent dans le RDP, ces pauvres idiotes. Pauvres idiotes, on ne donne pas l'argent. Les gens qui connaissent vont te dire. Les gens qui connaissent vont te dire que dans le parti RDP, quand le parti atteint ce niveau, ça devient là une société. Pour être actionnaire, tu dois donner. Tu veux que je te sorte ma carte de cotisation? Pauvre idiote. Tu peux militer dans un parti, dans ce parti. Tu n'as pas vu comment un voutou est venu avec un vieux cabas où elle avait ramassé ou un voutou est venu dans le RDPC, elle a porté le cabas. Elle est allée à une réunion. Elle croyait que dès qu'on te voit avec la tenue du RDPC, on te donne l'argent. Quand elle a compris que le RDPC, ce n'est pas ce qu'on raconte. Mais elle est sortie, elle est allée en France pour insulter le parti. Vous blaguez ou quoi? Vous blaguez ou quoi? Vraiment, vous me faites rire. Vous connaissez le parti? Donc, Lydia Mouadjou, elle ne fera jamais partie de mes détracteurs. Jamais. Parce qu'elle n'a pas le niveau. Je ne parle pas avec les femmes. Je ne combats pas. Un vrai politicien ne peut pas faire de la politique sans avoir l'argent. La politique est un investissement, un parti politique. Mais bien sûr, mais Lydie, Ursule, pourquoi tu ne donnes pas les coups à ces sales femmes-là? Les sales femmes comme les Lydia. Pourquoi tu ne leur donnes pas les coups? Pourquoi tu ne leur dis pas que quand Madame Chapuis, vous la voyez en réunion avec tous les ministres de Yaoundé premier, parce que c'est le seul arrondissement où il y a plus de ministres, parce que c'est là où réside le président de la République. Vous la voyez avec les Bagamboa, les Etundingwa, tous les ministres. Tous les ministres de Yaoundé sont à Yaoundé premier. Dis-toi que tu portes ta richesse, tu mets là-dedans. Et on voit. Et quand, après, tu mérites ce qu'on va te donner comme poste politique. Et quand tu as même le poste politique encore, c'est pire. On ne peut pas te donner si tu ne produis rien. Tu ne peux pas avoir un poste politique. Tu vas entretenir les militants comment? Tu entretiens les militants comment? Voilà pourquoi, quand tu es pauvre, tu ne fais pas de la politique. Sauf si tu es comme les Marie-Paul qui épluchaient les plantains partout où on faisait les réunions. Si tu veux être éplucheuse de plantain, là oui. Que quand il y a les réunions, les événements, on vous prend et tu commences à laver les choses, servir la nourriture et tout et tout. Mais ça n'a jamais... Pas voir mes vidéos politiques. Si je décide maintenant, c'est seulement parce que, bon voilà, j'ai déjà répondu. Je te jure, Lydia, si je ne t'avais pas répondu, je te déposais une plainte, tu ne prenais pas l'avion de retour. Tu allais t'expliquer d'abord. Et là, tu allais donc voir là où, ce que tu dis RDPC, Matela du RDPC là. On allait te décortiquer cette phrase. Tu allais, comme ta bouche est d'abord sèche là. Hein? On dirait que tu prends le traitement intraviraux. Parce que quand je vois ta bouche, c'est la bouche des gens qui prennent les remèdes du sida. Hein? Parce que ta bouche là, elle est pâteuse, elle est sèche. C'est comme exactement la bouche des gens qui prennent les traitements. Comme c'est d'abord sec là, ça va bien sécher. Si je ne t'avais pas répondu. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas sur quoi tu te bases pour attaquer les gens alors que tu n'existes pas sur la scène. Tu n'existes pas sur la scène. Même Zoua, ta copine n'existe pas sur la scène. Zoua, le dossier de Zoua s'est grillé sur Facebook depuis le jour que on a découvert avec qui elle sortait. On a découvert l'enfant avec qui elle sortait et qu'elle lui mettait la pression, elle le poursuivait partout. Donc, c'est depuis le jour là. Et depuis le jour qu'elle a simulé une grossesse, qu'elle a accouché à 60 ans. Zoua a accouché à 60 ans. On découvre que, en fait, Zoua n'a jamais accouché. C'est depuis ce jour que Zoua a perdu sa crédibilité. Paix à son âme, le petit Lambert. Quand j'ai encore lu son âge, quand je suis allé à la levée du corps, j'ai compris que Zoua est une pédophile ambulante. Zoua, tu es une pédophile. Quand je vois pour quel gars un enfant comme ça là, c'est là où j'ai vu déjà même ton niveau de gars. Il y a même un âge que, à un âge, Zoua,
que tu ne dois plus regarder les garçons de cet âge. Parce que tu as déjà les poils blancs aux fesses. Comment tu peux croire le petit là, tu l'as embourbé dans les histoires de vol de bébé, dans les histoires qu'il est venu te doter avec deux cartons de maquereau. Je vais publier ta dot. Si tu continues à me chercher. Parce que moi j'ai une équipe. C'est la dot que l'ambé était venu te donner. Deux cartons de maquereau. Deux cartons de maquereau. C'est le siège de toutes les institutions, Ursule. Hein? Mon père était l'autorité administrative de ça. Voilà. Et sache que quand ton père passe par là, on ne nomme pas n'importe qui à Yaoundé Première. On ne nomme pas n'importe qui. Alors là, quand tu dis que ton père a été... Ce n'est pas n'importe qui, c'est le siège des institutions où je vis. Je vis à Yaoundé Première. Parce qu'il y a même Bastos, même il y a une partie de Bastos qui est Yaoundé 2, qui dépend de Tchinga, Yaoundé 2. Mais moi, je vis à Yaoundé 1er. Voilà pourquoi je dis, je tiens à humilité. Oui, je tiens à humilité, madame. Non, pas humilité, je milite, je tiens à y habiter en tant que propriétaire. Et Ursule, tu peux leur dire combien ça coûte d'être, de dormir au golf. Parce qu'il y a golf et golf. Comme j'avais dit en gosput, il y a étudie et étudie. Il y a palais et palais. Gaël, c'est ça. Il y a étudie et étudie. Il y a golf et golf. Donc, toutes ces... Regardez d'abord le cabas de... Regardez le cabas d'une femme qui a vécu en Bec. Voilà Zoa, il y a 3 ans. Et la photo là, c'est il y a 3 ans. Dites à Zoa d'enlever le filtre et les pots de machin qu'elle a mis. Je vais brancher mon téléphone ici. Dites à Zoa. Voilà Zoa, il y a 3 ans. Regardez les bras et les mains d'une femme qui dit qu'elle a 51 ans. Oh yo 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 yo. Une femme qui n'a pas fait de gosse. Bande de sales femmes comme ça là. Elles viennent chercher Madame Chapuis. Vous pouvez trouver Madame Chapuis. Vous pouvez la trouver. Lève-toi comme ça, tu t'assois. Assois-toi, Zoa. On voit. Bande de sales femmes comme ça là. J'ai dit Lydia ne sera jamais de mes cibles. Je ne vais jamais la fabriquer. Pourquoi Jamal est parti même écrit là-bas? Elle a publié ma caricature avec la décharge et j'ai vu ça, 11 j'aime. Franchement, les gens n'arrivent même pas à l'aimer parce que c'est une lettre. Regardez même d'abord les cavités de ses yeux. Lydia, quand tu as des yeux en cavité comme ça, fais un traçage permanent. Sale femme, fais un traçage permanent. Au moins pour que ça masque la cavité de tes yeux. Parce que la cavité de tes yeux, c'est comme les yeux d'une personne qui est couchée à l'hôpital. Essaie de faire un traçage permanent. Essaie de tracer un peu tes lèvres. Tu as une bouche d'abord. Un homme normal ne peut même pas t'embrasser. Trace tes lèvres, fais un tracé sur tes lèvres. Je fais un live aujourd'hui pour ça. Parce que tu as des... Tu crois que les gens qui tracent les sourcils, là, pas comme Zoa, hein? Parce que Zoa, elle ne sait même pas dans quel quartier. Je ne sais même pas dans quel quartier. Zoa, je ne sais même pas. Là où. Zoa. Oh, voilà, Fatine, ma soeur. Aka, tu vois les sales femmes là, non? Tu vois les sales femmes. Oui, on a un peu de bien, non? Je dois les laver, ma soeur. Je finis de les laver, je t'appelle. Je dois les laver. Ouais, même si tu me dis quoi. Même si tu me dis quoi, je vais seulement les wash. Tu sais, ça me fait tellement rigoler. Bonjour la fille de Mamana. Ça me fait rigoler quand je les lave. Parce qu'elles sont tellement jalouses de moi. Moi, je suis au Cameroun, ma soeur. J'aime moi le Cameroun. Toi et moi, toi-même, tu sais que j'ai toujours aimé le Cameroun. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais que même quand
on arrivait en Suisse, qu'on n'avait pas encore les papiers, on avait toujours le rêve. À l'époque même, on disait qu'on va souvent faire les conteneurs. Toujours le rêve que quand on aura le kaolo, on va faire les conteneurs. On va souvent faire les conteneurs. On va vivre, on va faire venir nos enfants en Europe. Toi et moi, toi-même, tu sais ça. On n'avait pas encore les kaolo. Toi-même, tu connais qui est M. Chapuis. Je vais lui demander aujourd'hui s'il n'est pas déjà allé en week-end à la maison à Besançon. Je vais poster ta photo avec M. Chapuis. Je ne peux pas me laisser faire. Je ne peux pas me laisser faire par ces femmes-là. Ah non, 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 non. Je laisse tomber. Elle ne fait que me dire de laisser tomber. Depuis quand tu n'aimes pas? Maintenant, c'est toi qui bagarres souvent pour moi. J'ai dit que la Lydia là, cherche où elle en suit. Tu peux me la tabasser. Tu me ramènes ses dents. Aïe, aïe. Ça les énerve, ma soeur. Ça les énerve. Ça les énerve. Toi-même, tu connais le fond. Ouais. Ma soeur me dit de laisser tomber tout ça. Aïe, aïe, aïe. Ça m'énerve, hein. Ça m'énerve. Quand elle me dit de laisser tomber et que j'ai envie de finir avec toi. Si tu as vieilli, moi, j'ai fait alors comment? Hein? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Donc, là où c'est là, mais je finis de les laver le dos aussi. Zoa. Comme mi bagmouna. Zoa comme mi bagmouna. Hein? Voilà les femmes qui doivent. On a trouvé le numéro de Frankie Kelly. Appelle-leur. Ok. Donc, comme Ibagmouna, Zoa, tu parles de la prison. Moi, je peux te mettre en prison. Simuler une grossesse. Que tu es enceinte. Et que Lambert nous a dit, père son âme, que tu ne voyais plus les règles. Je vais écouter ma soeur, la Black Beauty. Je vais écouter ma soeur. Quand elle me parle, non, je vais l'écouter. Je vais l'écouter. C'est aussi des fois bien quand quelqu'un qui vous connaît vient et vous dit quand même, malgré tout, laisse. Sinon, hein, Zoa, simuler une grossesse, aller mettre l'hôpital, je fais fermer. Tu sais qu'on peut faire fermer l'hôpital, là? On t'enferme, simuler une grossesse, que c'est ton enfant. Zoa, tu sais que tu es exactement comme Malène et Mvoutou. Tu es un Kondengi ou Malène. Et vous venez me parler. Vous venez me parler, bande de criminels. Tu sais que simuler une grossesse, enlever un enfant et mettre ton vieux sein dans sa bouche, et que tu n'es pas sa mère, hein? Tu n'es pas sa mère, hein? Tu n'es pas la mère du bébé. Et toi, tu viens parler à Guylaine Chapuis que tu devais arriver au commissariat. J'allais d'abord t'enfermer pour avoir simulé une fausse grossesse et volé un enfant, que tu dis que c'est ton enfant. Hein? Celui que tu as d'abord pris là. Tu as fait quoi de ça? Donc, ça me fait tellement plaisir. Hein? Maintenant, là, je me sens très bien quand j'ai fini de me foutre de votre gueule. Celle de Lydia, elle est comme si elle vit dans une cuisine. Hé, Fadil, ma soeur. Fadil, ma soeur. Hein? Je ne sais pas si tu fais encore le make-up. Le make-up n'était pas encore les machins que tout le monde fait là. Ma soeur, c'est qu'elle faisait le make-up sur sa peau noire. Demandez-lui, je ne faisais pas le Njansan. Je ne faisais pas le Njansan. Le make-up, la beauté, la femme, la fille que vous voyez là. Oh là là. Oh là là. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Hein? Vous parlez de quoi? Oh, elle a vraiment changé, hein? Sinon, ce que Lydia va venir te taper, elle va t'arracher les dents. Elle t'arrache ta vieille perruque là qui ressemble au coussin, mes filles. Elle t'arrache, elle te tape correctement. Elle a vraiment changé. Oh, coucou. Coucou Thierry. Je vais me calmer. Mais sachez que
allez leur dire de ne pas me chercher. Zoa, parce que ton album était prêt ce matin. Ton album était prêt ce matin. Ainsi que l'album de l'autre. L'album de l'autre allait faire que vous fuyez Facebook. Et ça allait rester sur mon mur. Oui, 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 ça allait rester sur mon mur. Je n'en ai rien à foutre. Je te dis que tes cousines m'ont envoyé le corps de ta mère, le corps de ta soeur et la maison maternelle et tes tantes. Ta tante qui n'est pas mariée, là, qui braise le poisson. Or là, non, 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 non. Je tire à bas réel quand on m'attaque. Ma soeur Fadil connaît. Elle connaît, elle sait que je n'aime pas les problèmes. Oh, j'étais avec ma soeur ici en Suisse. Elle peut vous dire, je n'ai jamais eu une copine de ma vie. En dehors de notre famille à Fribourg. Elle est témoin. On était à deux. Vous n'avez jamais su que j'avais ma soeur de sang ici là. Là voilà pour la première fois qu'il vient me dire de laisser. Donc je vais laisser. Et je vais nettoyer mon mur. Mais si elles essayent encore. Dites merci à Fadine. Si elles essaient, je vais nettoyer mon mur. Si elles essayent encore, je reviens avec un album. Un album qui va détruire la société. Tu as compris? Voilà. Donc si on ne n'arrête pas, je finis avec ça. Je finis avec ça. Voilà. Et moi, je vous ai toujours dit, je suis orpheline de père et de mère. Donc, je n'ai rien à foutre. Fadi connaît ma soeur à Paris. Elle connaît mon frère en Suisse. Il y a les photos, hein. Je vais sortir toutes les photos. Donc, je n'ai rien à cacher. Elle connaît les trois enfants. Parce que quand Fadi a eu les papiers avant moi, elle venait au Cameroun. C'est elle qui amenait les colis à mes enfants. Donc, pour vous dire que c'est quelqu'un qui me maîtrise. Kiki, je vais laisser, je t'ai écouté, je laisse l'histoire, je laisse ma, je t'appelle directement après, je laisse, mais si elles essayent encore, je plaque tout sur mon mur. Zoa, tu veux voir là où ton père chie à Ebolova, non? Tu veux voir où il dort sur le canapé, non? Tu veux voir son rideau, non? Tu veux voir là où il vend la vidéo, où il vend l'eau, non? Et que toi, tu es milliardaire à Yaoundé, ton père vend l'eau. Et le robinet qu'on a attaché avec les vieux tissus et tout et tout. Zoa, ça va venir sur Facebook parce que l'album est prêt. Lydia, j'ai tout. C'est une prostituée de longue date. De longue, longue date. Est-ce que Lydia, c'est quelqu'un? Lydia a fait la prostitution au Cameroun. Elle a fait la prostitution au Gabon. Et c'est sa soeur qui est au Gabon qui a accouché la fille, qu'elle dit que c'est sa fille. Et sa fille arrive en Europe, elle fait l'enfant avec un arabe. Lydia, j'ai même les photos de l'arabe qui a fait l'enfant avec. C'est tes cousines qui ont tout donné. Donc laisse-moi tranquille. Toi-même, tu sais, Fadi, si je mets sur ma page, vous êtes fini. Ok. Ok. Voilà. Voilà. Je laisse. Tout à l'heure. Ok, je t'appelle le soir. Ok, je t'appelle le soir. Je t'appelle vers 19h, 20h. Oups. On reste dans le Japap. Zoa, fais le filtre. Regarde le pied d'une femme. Fais le filtre, tu montres tes pieds. Mes jambes. Tu voyais les jambes de Zoa. Aïe, Zoa, cherche ma maison, Zoa. Depuis que je fais le live là, chez moi, tu ne vois pas où j'habite. Ah, Lydia, je te connais très bien. Ah, Samba Wama. Et c'est comme ça que ça me trouve.
Hey, tu es malade. Qui connaît les... Ma, on m'a déjà parlé. Je connais les Yambasa, non? On dit qu'elle est soit Yambasa, soit Yabasi. Soit Yabasi, soit Yambasa, soit quoi. Toi, tu t'attaques aux Bamous. Les Bamous sont les guerriers. Hein? Tu ne peux pas tenir. Hein? Au lieu de Nias, le petit machin que tu amènes toujours ici au Cameroun, qui vient de se pavaner. Toi, tu viens attaquer Chapuis. Au lieu de passer tes vacances, tu passes maintenant ton temps sur Facebook pour poursuivre Chapuis. Chapuis, elle n'a pas le temps. Toi, tu as le machin qui vient se panasser. Les vrais blancs, moi, les vrais blancs sont, viennent difficilement en Afrique. Hein? Les vrais blancs viennent difficilement en Afrique. Mets ça dans ta tête. Tu as compris? Les vrais Watt ne sont pas réguliers en Afrique comme le machin que tu amènes là. Tous les jours, il est au Cameroun, tous les jours. Les vrais Watt, difficilement. Le vrai Watt qui a ses vrais dos. Non, il a peur de l'Afrique. Il a peur de venir, il a peur de tomber malade. Et c'est ça. Donc, mets ça dans ta tête. Donc, ouais, c'est sans filtre. Hein? C'est sans filtre, hein? Ah oui, c'est sans filtre, c'est ça. Mais pour que j'aie ce cœur d'un caramel, maman, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Hein, parce qu'il y avait les plaques partout. Hein. Il faut la patience et les dos. Ah oui, c'est tout. Donc, ne te vante pas trop que tu viens au Cameroun avec le blanc. Le blanc qui a les vrais dos, il te guide les dos que va au Cameroun. Il ne veut pas venir. Monsieur Chapuis adore sa femme. Il vit pour sa femme, il travaille pour sa femme. Tout ce qu'il a, c'est à sa femme. Mais il n'aime pas l'Afrique. C'est tout. Il n'aime pas l'Afrique. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas sa femme. Mais sa femme aime l'Afrique. Sa femme aime son pays. Ça n'empêche pas qu'il soit marié. Ça n'empêche pas qu'il vive comme il vit. Pour vous, quoi là-dedans? Tu dis que pourquoi mon mari? T'as pas là, tu crois que s'il avait les deux, il allait même te regarder. Hein? Oh, Francisca a dit qu'elle connaît la vie de Lydia. Hein? Mon mari, il venait au Cameroun. Il est venu au Cameroun. Et une fois, lors d'un voyage, il a eu le palu. Et on lui a mis la perfusion, mes gens. Vous comprenez? On a mis la perfusion à mon mari ici au Cameroun. C'était en... Les élections présidentielles, les dernières élections présidentielles étaient quand? C'était 2018, non? Octobre 2018. Hein? C'était fin d'année, octobre 2018. Oui, et mon mari était au mois de mai 2018. Parce qu'on avait été reçu à la présidence au mois de... Voilà, exactement. On a été reçu à la présidence le 17 mai 2018. Le 17 mai 2018, les élections étaient au mois, je pense, octobre 2018. C'était la dernière fois que mon mari venait au Cameroun. Et il a eu le palu. On lui a mis les perfusions. Quand il est rentré, il a fait une allergie à ces perfusions-là, mes gens. Il a fait l'allergie à la quinine. Jusqu'à sa voix a même disparu, il ne pouvait plus parler. L'allergie à la quinine. Et ça, dans sa tête, ça ne lui quitte pas. Il a fini son traitement. On est rentré. Oui, Thierry, j'étais au ministère des Finances. On est rentré. L'allergie s'est installée. Mon mari a fait 3 mois, sa voix ne sortait pas, mes gens. 3 mois. C'était l'allergie à la quinine qu'on met dans les trucs qu'on met pour le palu, là. Et pourtant, il avait pris les médicaments du palu. Vous comprenez? Écoutez, il avait pris les médicaments. Vous voyez? C'est resté dans sa tête. Il ne comprend pas pourquoi, ayant pris les médicaments préventifs du palu, il a quand même chopé le palu au Cameroun. Ça, tu lui enlèves ça comment? Et pire encore, avec le Covid qui était revenu, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Et aujourd'hui, il a ça dans la tête. Ne crois pas que les blancs qui ont le vrai dos ne prennent pas trop de risques de venir en Afrique. Ils ne tiennent à rien.
Quand tu vois d'abord même le machin là que tu vois, il n'a rien. Il n'a rien. Il doit gagner ses maximum 4 000. Il avait pris, justement, c'est ce que je t'ai dit, il a pris le vaccin avant. Il a pris. Mais il a quand même eu le palu parce qu'il a fait 2 semaines. Il a quand même eu le palu. Hein? Toi qui te pavane avec le machin que tu as ramené là, un vrai blanc qui a les dos, ma soeur camerounaise, il ne se pavane pas tout le temps en Afrique. Hein? Il sait très bien qu'une maladie grave comme le palu, ça peut l'emporter. Hein? Parce qu'ils n'ont pas d'abord d'anticorps très forts. Et il va laisser ses dos. Hmm? Les vrais blancs, tu viens faire quoi au Cameroun? Dis donc, va dans d'autres pays, va en Espagne, comme moi, va en Italie, va dans le sud. Tu viens pour Cameroun, en plus en saison de pluie. On voit que tu es une villageoise. Tu crois que mon... Quand je finis là, je monte, on va en vacances. Ça ne sera jamais au Cameroun parce qu'il pleut, il fait gris. Ce n'est pas le bon moment de venir au Cameroun. Tu es tellement bête. Va dans le sud, là où tu vas payer plein pot. Là où tu vas bien payer les vacances, tu sors, si c'est 500 000, tu tapes, tu dis que j'ai les vacances. Ça, c'est l'argent, ma. Et quand tu gagnes difficilement ta vie, c'est grave. Ne viens pas me déranger. Ne viens pas me déranger. Parce que quand, si je poste mes photos de vacances avec ton mari, vous ne pouvez jamais payer. On va en vacances dans les châteaux, hein. Tout compris, hein. Avec les soins, tout, hein, château. Là où on va au restaurant en costume et robe de soie. Je vais te poster les photos. Tu vas voir, rien qu'une seule photo de mes vacances. Une série de photos de mes vacances. On vous dit d'aller attaquer là où vous deviez attaquer. Hein? Au lieu d'aller dans le sud, tu viens, il pleut sur toi. Tu vas à l'ouest, il pleut sur vous. Il y a ces gris. Et toi, tu viens faire les trucs que tu parles à chapitre. Tu peux me parler, tu sors, si c'est, même si c'est 1 million, tu sors 1 million. Et tu secoues comme ça. 1 million, c'est quoi pour vous, je sais pas si vous êtes combien. 1 million, c'est l'argent, man. Tu as donné quoi à ta famille? Hmm? Donne un fonds de commerce à ton frère qui vole les téléphones à l'avenue Kennedy, quand même. Donne-lui un fonds de commerce, enlève-le de l'avenue Kennedy. Au lieu de venir te pavaner devant Madame Chapuis. Madame Chapuis, ses frères sont en bain. Ses frères sont en bain. Tu as compris? Idiote. Allez, moi je vais supprimer. Ils vont attaquer en campagne. Tu l'amènes même à l'ouest pour faire quoi, ma? Oh là là. Le blanc sort du froid, tu l'amènes dans le froid. Tu es une villageoise comme ça. Au lieu d'amener vous, tous les blancs qui sortent du froid, va dans le sud. Toi, tu l'amènes encore là où il fait froid à l'ouest et en plus au mois de juillet, août. Là où il fait froid et il pleut. C'est gris. Regarde comment c'est gris. On n'a pas de soleil. Toi, tu l'amènes au Cameroun. Est-ce que tu connais même la vie? Hein? Tu connais la vie, toi? Tu connais la vie? Pauvre idiote. Ok, moi je vais nettoyer mon mur et je vais attendre encore les attaques. Et je vous ai dit ce qui sera publié. Elle ouvre encore sa bouche. Je vais vraiment, ne venez pas me dire de laisser. Les corps de sa famille seront sur mon mur. Leur maison, sa tante qui braise le poisson, son frère qui vole les téléphones à l'avenue Kennedy. Ça sera sur mon mur. Zoa, toi, ton cas sera lourd. Ton cas sera lourd. Voilà. Un homme averti en vaut deux. Laissez-moi finir avec un voto. Voilà. Donc, je vais nettoyer mon mur et je vais attendre. Dès que finit aussi ça, je pourrai supprimer le live. Et on attend. Les attaques. C'est action-réaction. Action-réaction. Lydia, tu prononces encore mon nom, le corps de ta mère sera sur mon mur. Et celui de ta sœur. Je ne blague pas. Je ne blague pas avec toi. Et ta maison familiale. Partout où tu dors dans les yeux. Ta maison familiale, parce que j'ai déjà toutes les photos. Donc, à toi de voir.
Je ne te connais pas, tu ne me connais pas, tu ne seras jamais dans ma liste d'amis. Je ne vais jamais fréquenter une femme de ta catégorie parce que tu es sale. Ton visage est crassé. Va te faire un traçage. Va te faire un crassage. Fais-toi une beauté. Mets-toi des cils, je ne sais pas. Trace ta bouche, nettoie ta bouche. Fais-toi des choses pour embellir ton visage, en fait. Tu es laide. Encore, je n'ose pas dire que tu es laide, mais tu es fade. Tu es une femme fade. Tu es fade, comme ta bouche. Tu es fade. Tu as compris? Allez, gros bisous à vous. Je vous aime très, très fort. Je vais prendre ma douche. Et puis, j'ai rendez-vous à 14h. Je vais aller chercher, je vais aller finaliser mes affaires. Et comme ça, la vie est belle. Et il faut que je prépare aussi, j'ai un dîner ce soir. J'ai un dîner ce soir. Je dois appeler le cuisinier. Allez, bisous. Peut-être je vais lancer le direct quand je serai en train, on sera en train de faire la cuisine. Parce que vous savez, je reçois tout le temps. Greg est en train de se prier pour qu'on cotise l'argent du passeport. Moi, je dis qu'il n'y a rien à cotiser. Parce qu'il faut qu'on vous montre d'abord l'évacuation sanitaire, les papiers qui ont été faits au ministère et les papiers que le Maroc accepte et a accordé l'accueil du malade et tout. Et tout. S'il n'y a pas ça, ce que vous allez cotiser, c'est pour qu'elle mange. C'est tout. Il ne faut pas être bête. Le voyage, ce n'est pas le passeport. Hein. Elle est en train de supplier. Elle sait que si elle ouvre encore sa bouche sur moi, je finis avec elle correctement et bien. Allez, bisous à vous. Bye bye. Je vous adore, je vous adore, je vous aime très très fort.